Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. Cette semaine, nous vous emmenons dans une région du monde que la plupart d'entre vous ne sait sans doute pas bien située sur la carte, le Caucase, aux confins de l'Europe et de l'Asie, regorge de paysages de montagnes somptueux à l'image de celui que vous découvrez derrière moi et qui se situe en Arménie. Voici la magnifique architecture religieuse byzantine du monastère de Akpat, surplombant le canyon du Débed dont la construction se situe entre le Xe et le XIIIe siècle, le Caucase que vous associez sans doute surtout à des conflits, Tchétchénie, au Karabakh, un cas d'école de casse-tête géopolitique, avec sa géographie accidentée et son entrelacs de culture et de religion mis sous cloche pendant toute la période de la mainmise soviétique, sauf que la chute de l'URSS a réveillé les identités multiples du Caucase sous l'œil de trois autocraties, Russie, Turquie, Iran, chacune vous allez voir veillant jalousement à ses intérêts dans une région par ailleurs riche en pétrole et en gaz, Caucase, un carrefour d'influence. Espace tampon entre la Turquie au sud-ouest, la Russie au nord et l'Iran au sud-est, le Caucase, c'est d'abord un vaste massif montagneux au sommet particulièrement élevé. Il est constitué de deux chaînes principales, au sud, les reliefs tourmentés du Petit Caucase et surtout au nord, l'échine rectiligne du Grand Caucase, étirée sur 1200 km environ, depuis la mer Caspienne à l'est jusqu'à la mer Noire à l'ouest. La partie nord du Grand Caucase, la Ciscaucasie, est partagée administrativement entre deux régions russes, le kraï de Stavropol et le kraï de Krasnodar. Et huit républiques dites autonomes, mais qui, du Daguestan et de la Tchétchénie à l'est jusqu'à la petite république d'Adigué à l'ouest, sont bien membres à part entière de la Fédération de Russie. En revanche, la partie sud du Grand Caucase, la Transcaucasie, est occupée par la Géorgie à l'ouest, l'Arménie au centre et l'Azerbaïdjan à l'est, soit trois États aujourd'hui indépendants et qui entretiennent, on y reviendra, des relations complexes. Avec leurs puissants voisins. Il faut dire que la région a toujours constitué un carrefour stratégique, on l'a dit, entre les empires russes, perses et ottomans notamment, d'où l'impressionnante diversité de peuples, de langues et de religions qui caractérise aujourd'hui les États caucasiens. Ainsi, dans le Caucase russe, 95% des habitants se revendiquent de l'islam sunnite et non pas de l'orthodoxie majoritaire dans le reste de la Russie. A l'inverse, en Transcaucasie, c'est cette fois le chiisme duodécimain, celui de l'Iran voisin, qui domine largement en Azerbaïdjan, pays pourtant turcophone, mais séparé du grand frère turc par l'Arménie et la Géorgie, deux pays majoritairement chrétiens. Mosaïque religieuse et politique, le Caucase est donc régulièrement secoué par de violents litiges frontaliers tantôt à l'intérieur des frontières nationales, c'est le cas notamment en Géorgie, confrontée aux revendications séparatistes de la Djari, de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, tantôt entre les États eux-mêmes, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par exemple, dans la région du Haut-Karabakh, on y reviendra tout à l'heure. Alors pourquoi ces frontières posent-elles autant de problèmes Eh bien parce que ce découpage administratif du Caucase n'a rien de naturel, il est en grande partie hérité de la période soviétique, comme on va le voir maintenant. Dès 1921, en effet, l'armée rouge franchit le Grand Caucase pour créer d'abord en 1922 une grande République socialiste fédérative soviétique de Transcaucasie, puis en 1936, trois Républiques socialistes intégrées à l'URSS. Un homme surtout, pourtant originaire de Géorgie, s'illustre alors dans le remodelage ethnique et administratif du Caucase. Cet homme, c'est Joseph Staline, encore à l'époque commissaire aux nationalités de la Russie soviétique. C'est lui qui va choisir d'intégrer à l'Azerbaïdjan chiite, la région du Nakhichevan et surtout le Haut-Karabakh, pourtant majoritairement peuplé d'Arméniens chrétiens. Pour affaiblir encore davantage les républiques transcaucasiennes, Staline accorde même un statut d'autonomie avancée à ces deux régions, ainsi qu'à celles d'Abkhazie, d'Ossétie du Sud et d'Adjari. Et c'est ce découpage imposé depuis le Kremlin que la communauté internationale reconnaîtra lors de la dislocation de l'URSS. En 1991, le patchwork caucasien a alors tout pour devenir une véritable poudrière. Diviser pour mieux régner, le vieil adage, on l'a vu, semble avoir été le maître mot de Moscou pour faire régner l'ordre dans cette mosaïque caucasienne pendant toute l'ère soviétique. Mais depuis la chute de l'URSS, la Russie peine à reconstituer sa sphère d'influence face à l'émergence de puissances rivales, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En 1991, en effet, la disparition de l'URSS permet d'emblée aux trois capitales transcaucasiennes de recouvrer leur indépendance, mais les velléités sécessionnistes éclatent aussi très vite au nord du Grand Caucase. Ainsi, dès 1992, la République tchétchène d'Ichkéry ouvre les hostilités envers Moscou en refusant d'intégrer la Fédération de Russie. Entre 1994 et 1996, une première guerre de Tchétchénie oppose alors les troupes russes aux nationalistes tchétchènes. Elle sera suivie d'une seconde guerre de Tchétchénie entre 1999 et 2000, orchestrée cette fois directement par le nouveau maître du Kremlin, un certain Vladimir Poutine. Depuis 2001 et leur ralliement à la lutte contre le terrorisme, Vladimir Poutine et son allié local Ramzan Kadyrov gèrent désormais d'une main de fer à la question tchétchène. Tolérance zéro pour les islamistes armés à Grosny et dans le Dagestan voisin. Mais aussi du même coup pour toutes les minorités nationales du Caucase russe, souvent victimes d'exactions massives au cours des deux derniers siècles. En 2014, les Jeux olympiques organisés à Sochi, sur les rives de la mer Noire, ont fastueusement mis en scène le retour de la puissance russe sur ses confins méridionaux. Mais au sud du Grand Caucase, à l'inverse, les appétits du Kremlin se heurtent souvent à d'autres intérêts ceux de l'Union européenne d'abord et ceux de l'OTAN qui avaient dans un premier temps bénéficié de la fin de l'URSS. Ainsi, en 2004, le camp occidental salue d'emblée en Géorgie la révolution des roses qui porte Mikhail Saakashvili au pouvoir et galvanise les forces démocratiques dans la région. Mais après avoir négocié avec la Djari, Saakashvili engage à l'été 2008 les troupes géorgiennes en Abkhazie et surtout en Ossétie du Sud, déclenchant immédiatement une cinglante réplique du Kremlin qui mènera l'armée russe jusqu'aux portes de Tbilissi. Démonstration de force pour Vladimir Poutine qui obtient le maintien des bases russes en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Message clair adressé à l'OTAN qui voit s'éloigner la possibilité d'une candidature géorgienne. Et camouflait enfin pour l'Union européenne et sa politique de voisinage proposée dans le Caucase du Sud. En 2015, l'Arménie voisine lui a d'ailleurs préféré l'Union économique eurasiatique activement promue par Vladimir Poutine. Il faut dire que l'économie arménienne dépend en grande partie de ses liens avec la Russie, qui fournit 90% de l'énergie consommée dans ce petit pays enclavé. En échange, Moscou dispose à Jumri d'une de ses plus importantes bases militaires à l'étranger, Erevan considérant par ailleurs cette présence russe comme une assurance vie contre une éventuelle agression turque ou azerbaïdjanaise. Car la Turquie, c'est l'autre acteur clé du Caucase. Recep Tayyip Erdogan rêve lui aussi de reconstituer sa puissance passée. Voyons pourquoi et comment. La Turquie entretient des relations exécrables avec l'Arménie. Ankara d'abord refuse obstinément de reconnaître le génocide des Arméniens et des minorités chrétiennes de l'Empire ottoman en 1915 et soutient surtout Baku contre Erevan dans le conflit qui les oppose au Haut-Karabakh, conflit sur lequel il nous faut nous arrêter maintenant car il fait intervenir tous les acteurs de la région. Situé en Azerbaïdjan mais majoritairement peuplé d'Arméniens, le Haut-Karabakh a été annexé par l'Arménie en 1994. Mais les hostilités ont brusquement repris le 27 septembre 2020 avec le bombardement de la ville arménienne de Stepanakert par l'Azerbaïdjan. Au cours du mois d'octobre 2020 ensuite, l'armée azerbaïdjanaise progresse rapidement et le conflit surtout va prendre une dimension internationale. En effet, si Moscou se garde d'abord d'utiliser la force pour ménager ses liens avec Bakou, Ankara à l'inverse s'engage massivement aux côtés des troupes azerbaïdjanaises déclenchant les critiques des États-Unis et de la France, mais aussi de l'Iran. Pourquoi Eh bien parce que le nord de l'Iran est peuplé d'Azéries turcophones, et Téhéran redoute la création d'un grand Azerbaïdjan unissant Tabriz à Bakou. Bref, on le voit, cette deuxième guerre du Haut-Karabakh aura révélé les nouveaux rapports de force à l'œuvre dans le Caucase oriental, l'accord de cessez-le-feu du 10 novembre 2020, conclu entre Arméniens et Azerbaïdjanais, étant conjointement surveillé par Moscou et par Ankara. En fait, si les grands acteurs ménagent l'Azerbaïdjan, c'est surtout à cause du pétrole et du gaz de la mer Caspienne, 6% des réserves mondiales. Pendant toute la période soviétique, le pétrole était exclusivement convoyé vers le reste de l'URSS et dans une moindre mesure vers l'Iran, mais aujourd'hui, les Européens aussi y ont accès. En effet, depuis 2006, les hydrocarbures d'Azerbaïdjan transitent vers la Géorgie, en contournant soigneusement l'Arménie, avant de rallier la Turquie et le port de Séan pour le pétrole. Le terminal gazier d'Erzurum, toujours en Turquie, devrait lui aussi être prochainement connecté aux marchés européens. Bref, en se tournant vers la Turquie, l'Europe espérait s'émanciper des énergies russes, mais la voilà désormais otage d'un nouveau grand jeu russo-irano-turc qui se déroule à ses portes dans le Caucase du Sud. Voilà pour cette visite du complexe Caucase où dominent trois maîtres du jeu, Russie, Turquie et Iran, lesquels se sont affrontés indirectement lors de la guerre du Haut-Karabakh, on l'a vu. Conflit marquant de la décennie qui s'est soldé par la victoire nette de l'Azerbaïdjan, mais au prix de plusieurs milliers de morts et de nombreuses bavures dans les deux camps. Une défaite pour l'Arménie, mais également pour l'Union européenne, qui dans cette affaire aura surtout regardé la Russie être à la manœuvre, Moscou dictant le cessez-le-feu, les Européens en retrait d'un conflit qui se déroulait pourtant à leur porte. Pour aller plus loin sur cette région compliquée, un livre clair, très accessible, celui de l'historien Étienne Perra, Histoire du Caucase au XXe siècle, chez Fayard. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.